Et re, c'est Monopenisky à nouveau. Donc cette fois, on va se retrouver pour le match qui va opposer Croc, joueur de... Il est d'où Croc déjà? Lorient. Il est de Lorient, oui, il me semble, si je dis pas de bêtises. Contre Sosu, qui est également un représentant de Nantes. Donc là, pour le moment, c'est un petit match d'échauffement. Je vous rassure tout de suite. Donc Croc est apparemment un joueur de Captain Falcon et de Fox avant, il me semble, pas trop. Donc contre Sosu qui nous ressort ça, chic, classique, phase de chasse banning. Donc, qui est faumé. La victoire psychologique, c'est Sosu qui remporte donc Soshifumi et qui va ban. Champ de bataille, non, destination finale, qui peut être un choix assez judicieux pour Falcon qui a un terrain relativement grand. Et donc Croc qui va bannir Fontaine des Rêves, classique sur ce match-up, donc Falcon Chic et Dreamland, c'est assez étonnant. Dreamland qui est donc la terre promise des Falcons, notamment grâce à sa taille et à la disposition de ses plateformes. Et donc du coup j'ai pas vu sur quoi ça allait se jouer, il me semble que ça va se jouer sur Yoshi Story. Non, sur champ de bataille, donc c'est parti. Et c'est parti mon kiki. Donc pour le moment, oula, ça commence direct. Le père, Lana, oula, la grosse pression sur la plateforme de Croc, oh là là. Ah, il a collé Sosu de manière assez sale. Ah, voilà, qui commence à bien se pécer, qui attend vraiment l'erreur pour aller chercher Chic. Croc qui est donc un joueur assez récent, mais qui a un niveau assez prometteur avec son Falcon, qui est relativement technique. Et assez agressif aussi, de ce que j'ai pu voir. Là pour moi voilà c'est petite ouverture pour Sosu qui a jonglé donc avec Captain Falcon qui l'a monté à 89%. Matchup qui est relativement 50-50, généralement c'est le premier qui gagne, Grab qui remporte plus ou moins le stock au combo. Et dommage le Falcon qui revient de pas très loin et la baffe de Chic qui allait la finir. Dommage le Dauntless qui ne touche pas le nid. Ah la dash attaque, non ça ne suit pas, le petit back air reverse, 149%, voilà ça. Voilà, ça attaque dans le grab. Et Lana reverse, oh là là. Il regarde même pas son adversaire mourir, c'est disrespect quoi. Première stock pour Sosu, qui n'a donc que 50%. Ah là là, la deck passe le nid à ce pourcentage là, c'était très bien joué ça. Voilà, là pareil, faut pas le louper. Une Chic qui revient sur le terrain, c'est un temps de latence assez long pour peu que ce soit apporté à proximité de l'edge. Et un nid gratuit pour le Falcon si. S'il était accroché sur le bord. Donc la petite phase de tech chase de la part de Sosu qui commence très bien par 3 grabs. Ah non, voilà qui se fait contre-grab, si je puis dire, par Falcon qui enchaîne avec un petit stomp. Le side B qui passe, le upper, non, qui ne suit pas, dommage. Lada, c'était trop bas pour ça pour mettre un nid, je pense. Falcon qui revient un petit peu dans la game, ça a l'air assez sérieux. Oh, petit moonwalk boosting là. Petite pression à coup de back air, on doudou like et voilà petite buff. Oh non, dommage. Oh et Falcon qui revient. Ah c'est ça, c'est Smash Bros. Et mais c'est pas grave parce qu'on remonte toujours. Ah le faucon pied, mais non voilà, on se raccroche à l'aide, on remet les pendules à l'heure, c'est pas fini. Sauf succès qu'il est en capacité de remporter ce match, c'est pas un petit suicide qui va petit combo assez subtil là de la part de Falcon. Et Chic qui revient de pas grand chose. C'était vraiment sur la dernière frame de la roulette que le Falcon est revenu quoi, et que Chic a pu s'accrocher. Voilà Chic qui revient. Oh c'était pas mal ça. Voilà, il a vraiment profité de son banish pour essayer de stun un peu le Falcon pour garantir son retour sur le terrain. Voilà. Oh dommage, bien tenté, beaucoup trop bas. Et peut-être aussi un peu trop tôt, je pense que Chic n'aurait pas pu se raccrocher. Ah le side B qui passe. Ouais non, Falcon qui n'arrive pas à suivre pour le moment. Ah non, si, le nerf qui passe, Lana. Mais qui est top attack, mais non, voilà, ça se laisse pas faire, ça revient, la baffe. Oh dommage. Il fallait ledge guard là, je pense aussi. Ah le side B dans le Chic qui sait tout de suite venir faire un grab. La dash attaque, la baffe. Et voilà, faut pas le rater, voilà. Voilà, one stock match, 50% c'est rien, ça se monte très rapidement, surtout dans ce genre de match-up. petit jeu de jab là de Croc qui était pas dégueu. Ah voilà. Voilà, à ce pourcentage. Voilà, petit Falcon Punch pour taunter à la fin, pour montrer sa virilité, vous voyez. Donc, première stock en faveur de Croc. Game assez serré.
donc c'est parti sur Fontaine des Rêves. Alors, normalement, ce terrain est plus ou moins à l'avantage de Chic, notamment à cause de ces plateformes qui bougent et qui empêchent donc le Falcon d'avoir la mobilité qu'il veut. Notamment lorsqu'elles se rapprochent du sol, elles sont assez infâmes. Et là pour le moment, ça n'a pas l'air de gêner outre mesure Croc qui enchaîne vraiment un coup. Qui a l'air même plutôt à l'aise sur ce terrain. Le grab, là ça finit. Ah non, le upper ça suffit aussi, surtout sur ce terrain. Après, ce terrain est suffisamment petit et je pense que si un Falcon arrive à vraiment bien gérer les plateformes et tout, limite il peut adapter son jeu et être vraiment imprévisible sur ce terrain. Et surtout, vu la disposition du terrain, il peut facilement revenir avec son Falcon Kick d'en bas, façon Silent Spec. Ouh, très bon enchaînement, ça de la part de Falcon qui vient chercher Sosuke en dehors du terrain. Petit jab, le père, et non, stomp, pas de nid, dommage. Ah, Kennel dans le lit qui ne se fait pas punir. Le nerf qui passe, dash attack, deuxième, Lana. Ah, c'est ça qu'on veut voir. Ah, dommage. Allez, deux socs, c'est pas fini, rien n'est joué tant qu'on joue au cours. Là, c'était assez joli, c'était smooth, je dirais même. c'est ces petits enchaînements, tu vois, ces petits coups voilà, qui empêchent le Falcon de bouger, qui finit par un gros backer dans la face. Là, en mode, je te calme. Là, pareil, des petites piqûres pour calmer. Le grab, ça va tech chase. Ah, dommage. C'est pas grave, on se rattrape avec un smash bas. Ah, voilà, petit esquive du grab. Le stomp qui passe, mais non, le grab qui ne passe pas. La baffe. Ah, voilà, là, Sosuke qui a l'air confiant, qui veut pas se laisser faire, qui dit celle-là, je peux la gagner. C'est chez moi. C'est la fontaine des rêves, alors vends-nous du rêve. Ça a bien envie de se faire punir. Voilà, oh, oh là là. Et le Rona, dash attack, la baffe, très bien ça. Voilà, Sosuke qui est complètement remonté là. Il ne sait pas faire. Voilà, 18%, c'est rien du tout. Voilà, ça remonte. Lana. Stone Smash, on sent que Sosuke s'est réveillé, ça doit être la Red Bull qui fait effet, je ne sais pas. Voilà, le petit grab. Ah, dommage, le son qui va. Je pense que c'était un short-top pour. Short-top nib, dommage. Le grab. Falcon qui se retrouve en position de difficulté. Dash attack. Deuxième qui se passe pas. Le stomp. C'était bien pensé ça de la part de Croc. Revient sur le terrain. Oh, très beau ledge cancel qui empêche donc le temps de latence de Chic de se faire punir. Et oh, pourquoi pas, mais je m'attendais pas à ça. Choix intéressant. Choix à travailler. Ah, Lana qui touche sur le bout du pied. Et voilà. Sosuke qui revient, qui fait la baffe, qui touche avec le petit doigt. Le F tilt. Oh, le mid dans le shield, non, qui se fait pas punir. Et Olivier Tom, quoi. Le reverse smash bas, c'est le coup de talon quoi, c'est en mode passez pas derrière. Allez, 136%, voilà, c'est rien ça. C'est pas fini encore. C'est pas fini Falcon là. Non, Falcon qui revient. Ouh, il s'est mis en position délicate, qui a réussi à revenir, Chic n'a pas pu saisir cette occasion, c'est dommage. Là voilà, faut en profiter, tu mets ta buff. One stock match à nouveau, c'est très très serré. Allez, c'est pas le moment de lâcher là. Ah, c'est pas le moment de lâcher, ouais. Comme dit Heiser là, c'est. C'est pas le moment de lâcher. Voilà, c'est surtout que voilà, Sosuke qui revient. Oh là là, petit enchaînement de crocs, c'est sympa. Le backer, le stomp qui ne passe pas. La grosse pression sur, de la part de Falcon. Oh, le grab qui n'est pas passé, qui s'est tout de suite punir par Anana. Le backer qui passe. Oh, le F-tilt. Lana. Deuxième Anna. Celui. Le grab de Falcon. Le non, non, pas le genou. Le stomp et reverse pair, la gracieuse. Ouh. Voilà, très bonne défense de la part de Sosuke. Non, non, non. Oh là là. Ah, on sent que c'est chaud des deux côtés là. Le backer. Alors, oh non, dommage. Oh là, dommage. C'est très serré, mais c'est pas fini. C'est du best of 5. Tout peut arriver. On a vraiment eu droit à une très belle remontée de Sosuke pendant le milieu de ce match. Là. Voilà, on sent qu'il se commence à être plus à l'aise. Et là, il le sentait bien, Sosuke, donc il remet dessus. Voilà, il remet dessus, il sait que c'est chez lui, je pense qu'il a pigé un petit peu ses orbes, puis même il avait fait il avait fait un suicide. Non, c'est sur champ de bataille, je crois. Mais même, voilà, c'est pas fini, il sait qu'il peut remonter. Voilà, tout de suite, ça a mis une petite pression. Voilà. Croc qui est en position de difficulté mais qui se laisse pas faire non plus, voilà. Un petit upper qui part tout de suite pour couper les dents de Chek. Mais voilà, Chek qui revient totalement. Voilà, le petit nerf qui. Voilà, Falcon en dehors du terrain, c'est mort. Voilà, Chic, voilà. Ça grab ledge. Première stock, très beau combo de la part de Sosu qui est de nouveau dans son match. Il veut pas aller en loser bracket, il veut faire honneur à sa ville, c'est son tournoi, c'est chez lui. Oh voilà, oh dommage, c'était bien tenté. Le 69, non, 69 cancel.
Bien ça. Ah non, pas de nid, dommage. Graba, belle DI, ça, extérieur, pour éviter le drop zone. Pression encore de la part de Falcon qui fait tout de suite grab. Le upper, l'ANA, le F-Tilt qui ne passe pas, mais le Stomp qui ne passe pas non plus. Là, ça se met une grosse pression de la part des deux côtés, ça attend vraiment l'erreur. C'est vraiment un match-up even, même niveau. La baffe qui passe, voilà. Et, oh, ledge guard. Et très bien ça. Voilà, deux stocks d'avance pour Sosuke qui est complètement dans son match. Mais voilà, on peut toujours se retrouver dans le même genre de situation. Oh, le nid qui passe, qui n'a pas éjecté. Enfin, ça a fait un rebond bizarre sur le terrain. Ah ouais, 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 sans doute. Ou même peut-être qu'il a dû faire un petit tech. Enfin, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Ah voilà, voilà, Falcon qui revient, qui se laisse pas faire. Là, il n'y a pas de plateforme pour le gêner dans ses combos. Il en profite largement. Non, le nid, l'ANA. Voilà. Voilà, on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure. C'est pas grave, demi d'avance, rien à foutre, je remonte. Soft knee, deuxième soft knee, mais c'est pas grave. Oh, le faucon pied qui passe. La D vachement à l'extérieur de la part de Sosuke, mais voilà, qui fait le banish sur place. Ouais, voilà, mais en fait, je pense que c'est vraiment voulu. Il a fait le banish sur place pour empêcher Falcon de grabber l'edge pour l'enchaîner derrière. Oh, le stomp. Oh là là. Voilà, toujours vivant. En même temps, on a eu droit à de belles DI là. Ça tempo sur l'edge, ça s'en sort dans Zelda. Je ne sais pas. Ouais, je pense que c'est une erreur. Oh, dommage, quel dommage. Mais c'est pas grave, c'était à 140%, t'en avais pas besoin de celle-là. T'es revenu dans mode ninja, voilà, c'était une feinte. Le niveau de plateforme qui a pu empêcher un petit enchaînement de la part de Croc, mais qui n'a pas poursuivi, c'est dommage. Voilà, le grab qui passe, ça finit, non. Le reverse wall jump, petit combo de 2000XX. Ah bah non plus là. 2000XX, we are in it. Oh là, 60. Oh là là, égalité parfaite. Mais non, voilà Sosuke qui revient. Qui met son ulti. Non, le stomp qui passe, l'ANA. Est-ce qu'il va aller le chercher? La baffe, voilà. Mais voilà, non, Croc qui récupère son deuxième sommet qui a été beaucoup trop bas, qui n'a pas pu remonter. C'est dernière stock, mais voilà, Croc qui est assez à l'aise. Il sait qu'il y a assez de matchs. Voilà, c'est sa dernière chance pour éviter d'aller en loser bracket. Voilà, Croc qui revient, qui fait son petit enchaînement, ANA upper. Et Croc se laisse pas faire, est-ce qu'il va avoir voilà. Non, pas de genou. On sent quand même que même si Croc est assez à l'aise dans ce match, le niveau des plateformes le gêne un peu quoi. En tant que joueur de Falcon, je peux comprendre ce genre de situation. Et voilà, il se laisse pas faire pour autant, voilà, il fait un gros mur de backer, le mur de lamentation. Voilà, belle DI qui revient, le soft, voilà, qui a très bien spécié ce nid. On passe le prendre de face. Reverse jab. Le kill move. Oh, la quenelle qui passe pas, non. C'est très bien ça, c'est des pourcentages gratuits, là il faut que t'en profites. Voilà la baffe, voilà down smash. Ah ouais, là il faut en profiter au maximum, 152%, puis même si... Ouais, faut la rentabiliser, même... Rona, F-smash. La baffe et l'ANA qui passe, à ce pourcentage là, ça remonte. Il revient toujours. Et non, le backer 159%. C'est le mini Falcon Punch, le Falcon Punch de poche. Voilà. Et voilà, par contre, voilà, à ce niveau-là, un combo de Falcon, ça peut toujours être mortel. Voilà, voilà, c'est ça l'avantage de ce match-up, c'est vraiment 50-50. Un grab, un enchaînement de Falcon en l'air, ça peut être une game très, très bien jouée, mais voilà. La baffe qui passe. Grab edge, voilà. Non, je ne suis absolument pas. Je n'ai absolument pas de favoritisme, c'est faux. Donc, Sosuke qui remporte donc ce match. Et voilà, Croc qui a toujours l'avantage de son jeu. Voilà, c'est reparti sur son destination finale, le premier. Apparemment, la DSR n'est pas appliquée. Oh là là! Voilà, ça commence très fort, le stomp. Le ni. Je sais pas non plus, mais voilà, 66% dès les 15 premières secondes, c'est. Voilà, Croc est complètement à l'aise. Voilà, Croc est de retour chez lui, il n'y a pas de plateforme pour me faire chier, je peux courir partout comme une petite gazelle, c'est bon, c'est chez moi. Mais voilà, Sosuke a quand même l'avantage de projectile avec son Sashi qui peut très bien check save aussi. Ah, début de tech chase, ah non. Petite erreur. Ah, la baffe et Nick ne sont pas passés. Petite baffe, le Nick ne passe pas, qui se fait tout aussi pionnier par un grab. Ah, ça attendait, je garde. Oh, le nid en plein dans la face! Et oh non là. Bon, en même temps, je peux comprendre ce choix parce que s'il revenait sur le terrain, il aurait eu trop de temps. C'était genou direct. Voilà, c'était genou direct. À la limite, il aurait pu tenter une grosse DI, ça aurait été plus safe de faire ça, limite. Hop, voilà. Oh. L'enchaînement de titre, là c'est sympa. Stomp, non, pas de grab. La DAC qui passe pas. Voilà, ça se spice un petit peu, ça commence à se regarder. Le grab, voilà, l'erreur, le grab. Deuxième grab. Qu'est-ce qu'il y a à faire? On sait pas, ça.
Alors on sent que le croc là s'est dit je commence à avoir des petits pourcentages là et la baffe voilà. Ah voilà le faux pompier. Ah voilà ça grave l'aile, ça revient pas. Alors, en même temps voilà sur ce match-up Falcon en deux. Enfin Falcon chic quand t'es hors du terrain, ouais enfin de manière générale mais contre une chic de manière plus générale tu pleures un peu quand même. Ouh c'était bien joué ça. Dommage que un petit nid à la fin ça aurait pu être bien sexy. Non, ça va, ça tente pas ni. On sent qu'il a voulu tenter d'être Gerd, mais qu'il se sentait pas en confiance. Il a dit non, je sais pas. Bon, il a réussi à revenir. Ouais, ni non. Dans le shield, c'est shield grave. Un deuxième. Début tech chase, non. Ou petit grave mystique, inspecteur gadget. Non, ça va. Ça aurait pu être pire. Oh, le nid qui passe. Le nid 124%, forcément. Ouais, mais voilà, ça cesse pas faire. Ouh, bel enchaînement, assez improbable. Petit grave. La baffe, left tilt, non, ça n'a pas suivi, dommage. Petit back à reverse de Rona, voilà, ça se passe, la baffe. Bien, bien. Ah, oh, dommage, à mon avis, ça a cherché le reverse, mais. Ouh, bien ça. Ah, voilà, là, Sosu commence à se faire plaisir. Surtout à ce pourcentage-là, les temps de stun sont hyper importants. Du coup, un petit kill qui passe ou quoi, tu peux enchaîner comme tu veux, mais faut s'assurer de mettre un FF. Ouh, Grok qui revient avec un petit combo, dommage, qui va chercher la baffe, non, qui est trop, qui essaie de se rattraper avec un back air et qui éjecte le Falcon. Dommage, peut-être une petite dé qui aurait pu le sauver. Le backer Razmot, ouais. Ouais, pas de dé, le stomp sur place, ça pardonne pas, c'est. C'est vrai qu'il faut qu'il rattrape la vie maintenant, là. Ouais. C'est trop tard. Ouais, sinon, c'est trop tard, c'est lose en backer. Un petit grab. On va vers le bas, encore une fois, petite tech chase. F tilt. Oh, ça regrabe. Ah, Sosu qui ne lâche pas son adversaire, le renard. Ah, ouh, le reverse. Belle défense de la part de Sosu qui se beau compte. Ouh, là par contre, ça sent mauvais. Voilà, petit début de combo. Et ouh, ah, Falcon qui était en position de défense et qui s'est mis dans la merde et qui n'en vient pas. One stock match est hyper serré. C'est la dernière stock pour dernière chance pour Sosu s'il veut pas se retrouver en loser bracket. Et voilà, qui a pas l'air de se laisser faire, mais qui a quand même 90% qui doit bien faire attention parce que là, un nid. Et c'est fini. Non mais voilà, c'est l'affaire qui commence à tech chase. Le grab arrière, non, je non, qui aurait dû tenter peut-être un down grab pour enchaîner avec un nid. Le back air, ça. Oh voilà, le down splash qui casse la chance. Oh le nid. Oh dommage, c'est le taunt de Croc. Très beau match, très serré. Bien joué à vous deux. Franchement. Ah, ça s'apprend, t'inquiète. Donc Croc qui se qualifie pour la suite de ce tournoi et qui envoie donc Sosu en loser bracket. Je vais donc couper ce match et je vous dis à tout de suite.